Salut tout le monde, c'est Jackpot du lac. C'est tout, je m'intéresse un peu aux insectes, parce que c'est vrai que je les aime pas trop, mais c'est intéressant de se documenter. Puis là, ben, j'ai trouvé de nouveau un nouvel insecte dans le jardin. Alors j'ai envie de partager ça avec vous. J'espère que ça va vous faire plaisir. C'est assez court, mais ça suffit pour moi pour apprendre 2-3 combines. Voilà, alors je vous présente le bourdon des champs, qu'on appelle aussi bourdon roux, bourdon des bocages. Et pas facile à filmer hein, parce qu'il bouge tout le temps. Alors ben, j'espère que vous me pardonnerez la mauvaise qualité de la vidéo, puis que vous verrez quand même, que vous reconnaîtrez cette petite jolie petite bête avec une tête toute ébouriffée. Alors celui-ci, c'est un insecte hyménoptère. Ça veut dire qu'il a deux paires d'ailes transparentes comme les abeilles. D'ailleurs, il fait partie de la même famille. Contrairement à ceux qui sont diptères et qui n'ont que deux ailes, comme par exemple les mouches ou le cirf dont j'ai fait la vidéo, hashtag 162 si ça vous intéresse. Quelque chose d'incroyable avec ce petit bourdon roux, c'est que plus on le trouve au sud, plus il est clair, et plus on remonte dans le nord, plus il devient foncé. C'est assez étonnant. Et comme l'abeille et le cirf, c'est un grand pollinisateur. Il adore les fleurs et les fleurs d'arbres fruitiers. Alors ce petit bourdon, il n'est pas agressif. Et à l'instar des moustiques, c'est seulement les femelles qui piquent quand on les énerve beaucoup. Les mâles n'ont pas de dards. Comme ils font leur nid au sol, il faut éviter de marcher dessus, facile à dire. Ils peuvent aussi coloniser des anciens nids d'oiseaux. On peut observer cette espèce d'avril à novembre. Moi, j'avoue que je l'ai découverte seulement au mois d'août, où là, je trouve que j'en vois beaucoup. Voilà, la petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura instruit un petit peu, intéressé surtout. Je remercie tous mes abonnés et ceux qui me suivent. Continuez de vous abonner à ma chaîne, ça me motive pour continuer. Donnez-moi des petits commentaires, c'est super sympa. Et puis, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!